Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. J'ai combien d'âmes? 159 000. Ah bah. C'est raisonnable. Vous se rappelez, j'ai un... Pardon. J'ai un anneau d'âme plus 2, donc c'est normal. C'est laquelle que je prends pour descendre? C'est pas toi, hein? Quoique, remarque, je vais peut-être monter, en fait. Non, reviens! M'en fous, j'ai ça! Mauvais feu, il y en avait un en bas. C'est pas grave, on sait les portes à celui d'en haut. Par contre, il faut que j'essaie de me rappeler où est-ce qu'il est, le chevalier à l'aune. Forever. Non. C'est ici que je dois descendre. Non? Oui, parce que j'ai utilisé la clé de la tour, donc je dois utiliser ça. Voilà. Là, on descend comme il faut. Et là, on va tuer ce monsieur. Ah non, lui, il revient pas à la vie. Par contre, il y en a un là. J'ai tellement de stamina. Stamina, mina. Hé, waka, waka. Hé. Tu vas mourir comme un gros tard. Ya! Merde! Non, je sais pas comment il a fait pour me rater. Mais moi je sais comment j'ai fait pour le rater. What the... Aïe! Pourquoi l'autre je l'ai one shot? Est-ce que t'es en train de me dire que je l'avais pas vraiment raté en fait? Lui je l'ai vraiment raté. Bonjour monsieur! Un petit backstab? Ouais. Tout petit, hein. Juste pour la route. Consommez du backstab avec modération, les enfants. M'en fous, je passe la porte! Ah non, c'est vrai que tu vas me suivre jusqu'à ma mort. Donc je passe pas la porte. C'est bon, monsieur. Oh. Oula! J'ai très mal! J'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Faudrait peut-être que j'aille refaire Navlon, hein. J'aimerais bien les humanités. Non, reviens! Fais chier. J'ai pas de gemme. Gemme, c'est le rêve. Gemme, c'est la fièvre. Bon, écoute. Je vais utiliser ça. Oui, au lieu d'aller au feu, fuck it. Vous croyez qu'il arrive à sauter sur la plateforme? Alors comme ça? Oui, j'y arrive, ma gueule. On va voir ce qu'il y a ici. Ah! Wait, what? Où est-ce que je suis? Pourquoi j'ai jamais vu ce coffre? Où suis-je? Je ne sais pas où je suis. Ah, je suis où? J'étais au-dessus. Ok. Ah bah oui, oui. Oui. Monsieur, je vous emmerde. Non! Mais putain, mais utilise-le plus vite!
Bon, j'ai perdu 160 000 hommes. Prochaine équivalente de level up. J'ai bientôt plus d'effigies humaines, ça commence à me gonfler là. Faut vraiment que je trouve où on est censé farm ces putains d'effigies humaines. Et que je comprenne comment éviter de que ces connards ici dans cette zone me fassent un putain de paquet de dégâts comme ils le font. Parce que disons que j'ai atteint le cap de la vie là. 50 points de vie. J'ai pas encore atteint le cap de la vigueur. Parce que la vigueur, le hard cap, il est à 35. Non, 70. 70. En fait, le hard cap, là, je l'ai atteint pour la vitalité, l'endurance, la force, la dextérité et l'adaptabilité. 35, c'est le hard cap. Je crois que techniquement, en fait, le hard cap, il est même plus bas, étant donné que j'ai bien monté la dex. Bon, je sais que le moyen, le mieux pour éviter que ces connards me fassent un paquet de dégâts, c'est de les frapper en premier, mais des fois ils en ont rien à foutre du fait que je les frappe en fait. Le pire c'est quand ils ont une putain d'allonge. D'accord, donc ceux avec la double, les doubles, enfin les deux haches en feu. Ils prennent cher, ils ont pas de vie. C'est des putains de victimes en fait. Ok. Je prends le hut. Hein. Mais là il prend pas. Je pige pas. Oui, non mais si j'appuie sur le dodge, donc ce serait bien de dodge en fait le jeu. La chance c'est que vu qu'il chie de la lave, bah, il te brûle quand même en fait sans culer. Même s'il te touche pas, il te brûle. Et ça fait mal au cul. Aïe, l'enculé! Là, tu vas crever. Voilà, merci. Reste mort cette fois. Est-ce que toi, tu te raises au moment où je te passe? Non. Par contre, toi, tu m'énerves d'avance. Saleté de Rayman. À un point de vie. C'est moi, il m'a pas apporté d'âme en mourant. Je crois qu'il n'est pas mort. Il ne meurt pas vraiment. Il n'est pas mort, cet enculé. Il meurt pas, en fait. Ok. Bah c'est bon à savoir. Lui il est mort par contre. Mais les deux autres c'est des vrais fantômes. Ils ne meurent pas. On descend. Oui, oui, j'arrive le jeu, j'arrive. Je suis là. Mais je suis déjà au chevalier de Fume, là. Vous voulez quelque chose, monsieur, non? Mais va te faire foutre aussi, j'étais en pleine animation, merde. Il y a un endroit, il y a un feu. Je me souviens, il y a un endroit, il y a un feu. Il y a le feu. Bonjour, feu. Au revoir. Il y a plein de gens qu'on peut invoquer, c'est cool. Non mais toi, t'es pas un vrai Jean. Toi, t'es un vrai Jean. Je crois que t'es un vrai Jean. Oui, t'es un vrai Jean, il y a personne qui porte. Toi aussi, t'es un vrai Jean, je t'aime. Toi t'es un faux Jean mais je t'invoque quand même parce que ça va être fun. Parce qu'en fait plus on va être nombreux et plus il va être résistant. Et vous voyez. Oui non mais avec Starmur, oui c'est logique. Raise the sun, motherfucker.
Massacrez-les. Après ça, je pourrais avoir quand même le meilleur espadon du jeu. Hein. Donc faut voir si je vais le faire ou pas. Ah oui, peut-être récupérer les âmes en fait, espèce de con. C'est une chose de les tuer, mais il faut récupérer les âmes. Ah oui, mais en fait, je me souviens d'où est le chevalier Alone. Il est dans une tour que tu atteins via une chaîne. Pourquoi je m'en suis équipé à une main? Pourquoi je suis con? Pourquoi j'ai mal? Alors oui, j'invoque plein de monde, j'invoque des gens qui ne sont pas des PNJ, malgré que j'ai dit que j'invoquerais que des PNJ, mais franchement, le jeu, il a tellement envie de me foutre le guac tout le temps. Il y a un moment, j'ai envie de lui foutre le guac, moi aussi. J'en avais pas que 3. Pas de taillant. C'est ce que je me disais aussi. J'arrive, les amis! Tiens, mais où? On y va! Et c'est là que les deux rage quit. Juste pour augmenter la puissance du chevalier Fiume, en fait. Voilà, le petit preventive fire, là. Je me souviens, lui, je l'avais fait en first try, en fait. Tout le monde le trouvait incroyablement hardcore. Moi, avec ma grosse épée, je l'avais fait en first try la première fois que je l'ai fait, en fait. Mais bon, c'était au moment où il était sorti. Non, même pas. Même pas, en fait. Même pas au moment où il était sorti. Parce que, comme j'ai dit, j'ai jamais fait les DLC. Je les ai fait très très tard. Mais ouais, je l'avais first try, le gars. Parce qu'en fait, énormément de ses coups sont super faciles à esquiver. C'est comme jouer contre moi-même, donc du coup je sais comment ça marche. Fait limite à 360 par contre avec son épée. Chevalier Fumerol. Ah c'est ça ton nom français, c'est un peu de la merde. Genre tu t'appellerais le Chevalier Fumier, ce serait déjà plus respectable en fait. Étonnamment. Eh, il fait incroyablement mal. Ah, mais il vole de la vie, cet enculé. Ah, mais il me fait très mal, cet enculé. Pourquoi tu... Pourquoi ton épée, elle fait le même bruit que la fraise du dentiste? GG Easy Nori. Âme de Nadali à descendre. Encore une? Praise the motherfucking sun! Au revoir Léo! Au revoir! Je peux trouver un truc dedans de bizarre, de flandeur? Qu'est-ce que c'est ça? Vous voulez des âmes? Couronne du vieux roi de fer. Une faible chaleur émane de l'ancienne couronne. Un peu comme ma bite. Je vais pas dire que la chaleur est forte non plus, attends. Faut pas se brûler. Je me souviens que j'avais réussi à faire toutes les âmes. Donc il doit y avoir un fendoir quelque part, je sais plus où. Je vais aller au feu, me téléporter à l'autre feu et visiter. Basiquement, parce que ben là on a fait les deux boss, c'est cool. Non, attendez, en fait, avant de visiter, je vais aller voir pour me faire le penis. Non, l'espadon du chevalier Fumerol. Fumerol, du coup. Faut dire un nom de bonbon.
Pourquoi je suis venu là? Là, c'est pour l'upgrade. Je dois le faire d'abord. Bref, dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé d'assister à la création de l'espadon. Quoique, si, quand même, parce que je sais que Pornifex vous fait à tous très plaisir. Donc, on va quand même aller créer l'espadon ensemble. Si je me souviens d'où c'est. C'est là. Arachnophobe, partez. Nya, 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 ya, va te péter ta gueule. Il me fait un peu mal, un peu. Le truc qui est chiant avec ces mages, c'est qu'en fait ils font super mal. Puis qu'en plus, ici, il y a masse d'ennemis qui vont venir juste pour t'emmerder contre Ornifex en fait. Genre t'es là, tranquille, tu veux craft tes armes, puis t'as tous les ennemis de la map qui sont là en mode non mais fuck you. T'as pas le droit de crafter tes armes, va te faire foutre. Vous voulez tomber les araignées? Non? T'es sûr? Vous n'avez pas regretté. Ok. C'est bon, tout le monde est mort. Vous pouvez crafter des armes. Dans le doute. Oui, il y a le feu à côté, j'aurais pu aller l'allumer là-bas. On s'en fout. De toute façon, on n'en a jamais trop de ces papillons de lumière. Un Pornifex, je t'adore. Peux voir ton petit boule. Ah, toujours pas mal, hein. Attends. Je suis sûr qu'on peut avoir un meilleur angle. Ouais. Sympa. À part qu'il y a une. C'est quoi ce truc noir dans ton cul là? C'est. Je sais pas si c'est une plume. Si, de toute évidence, c'est une plume. Ouais, attendez. On va regarder depuis l'intérieur. Depuis l'intérieur. On voit rien de spécial, à part qu'il a pas de chat. Non, je ne sais pas en fait. Sûrement une plume. Allez, donc merci beaucoup d'avoir suivi. Et à la prochaine. Bye bye.